Pour ceux qui connaissent, je suis désolé, je vais passer par cet exercice un petit peu obligatoire de raconter aussi brièvement que possible la vie de Philippe K. Dick, pour qu'on cerne un peu quand même le personnage et ce qui va nous amener sur ces questions du qui suis-je et de qui est ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous prenons. Philippe K. Dick naît fin 1928. Dans une famille modeste, mais le père travaille, gagne bien sa vie. La mère s'occupe beaucoup des enfants, parce qu'il a une sœur jumelle qui s'appelle Jane, qui va être extrêmement importante pour lui toute sa vie, d'autant plus qu'elle meurt au bout de 6 semaines. Évidemment, la grosse question que se posent tous les survivants, hein, qu'il s'agisse des camps de concentration, d'un bombardement, de la guerre, ou pourquoi ma sœur ou mon frère est mort peu de temps après sa naissance, et pourquoi j'ai survécu. Donc avant de se dire qui suis-je, la question qui se pose d'abord, c'est pourquoi moi. Évidemment, on peut se dire si Jane était morte, était vivante, pardon, et que Philippe était décédé, c'est elle qui se serait dit pourquoi moi, pourquoi j'ai survécu, c'est pas juste. C'est pas juste dans la tête de l'enfant qu'en fait on lui explique que la maman n'avait pas assez de lait pour les deux. Et que lui donc a pu boire au sein maternel, se nourrir et évoluer normalement, mais la petite, non, elle a manqué de lait.